Aujourd'hui, on est sur la place Boileau, à Rieux-la-Pape, en plein cœur du quartier des Alaniers, qui est en pleine réhabilitation urbaine. Donc c'est surtout de l'isolation thermique et le changement de tout ce qui est des colonnes d'eau usées dans les logements. Donc sachant qu'on intervient en site occupé. Ces réhabilitations se déroulent dans le programme du NPNRU, donc nouveau programme national de renouvellement urbain. C'est un programme qui a débuté en 2019 et qui va jusqu'en 2030. On rénove, on réhabilite, on reloge. On démolit, donc qui dit démolition dit reloger nos locataires, hein, déjà Dynacité dans un premier temps. Dynacité a réhabilité alors, plusieurs quartiers dans Rieux-la-Pape. Hein. Depuis 2019, alors j'ai été initiée au chantier de Boileau-Europe-Michelet, celui du 1 rue Renoir, de la Velette, donc Velette 1 et Velette 2 qui sont deux chantiers, ainsi que la barre Alexandre Dumas. Alors certains chantiers comme les Alaniers Boileau-Michelet prennent fin. Il y a d'autres chantiers qui vont commencer. Et on a des immeubles qui sont dédiés à la démolition où mes collègues sont en cours de relogement pour les locataires d'Inacité. Nous, pour maintenir le lien, donc on fait des cafés rénov, hein, qu'on essaye d'organiser une fois par mois, donc au pied des immeubles en chantier, hein, pour vraiment faciliter l'échange avec le locataire et l'agence et le chantier.